Hello les amis, on est de retour sur Resident Evil 2. Donc re-bienvenue la VOD. On a fait une petite pause. On s'était arrêté au niveau d'un jeu d'échecs sur les panneaux. Donc, je sais plus du tout où j'en étais. Et c'était la dèche niveau munitions. Donc, on va se remettre dans le bain tout doucement. Les prises magnétoscope. Et il y a une porte juste sur la droite. Tout simplement. Bon, allez, je suis pas du tout chaud. Pas du tout même. J'ai eu un bon gros coup de cœur sur Resident Evil 2, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit coup de cœur comme ça sur un jeu solo. Où vraiment j'ai envie de le blinder quoi, genre de le finir. C'était obligé. J'ai préféré mettre le coup avant. Je sais pas si l'activer comme ça, ça va le laisser activer pour plus tard. Ah, la fameuse clé carrée. Bracelet d'identification requis pour le funiculaire. Funiculaire? Mais qu'est-ce que tu fous, Léon? J'ai touché un mur invisible. Coffre résistant à la chaleur. La combinaison est écrite sur le côté du coffre. Oh putain, mais t'es sérieux. J'ai même. Tu sais, je suis toujours en train de chercher les codes comme ça le moment où je le fais pas. Oh, je l'ai pris sur le côté. Radius. N'hésitez pas à clipper. Alors, 2, 12, 8. Merde. Merde, mauvais sens. 2, 12, 8. Est-ce que je me suis arrêté comme un débile à 11 ans? C'est le Magnum? Attends, le W870. Ah non, c'est le pont. Ah non, ça va, il prend que deux places. Vite, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai plus le temps. Je suis un connard. Puis j'y vais en plus, hein. On va pas se mentir, hein, on aurait pu mieux faire. Hein. Oh mais merde, il y a une porte ici. Non, j'aurais pu économiser les munitions. Bon, tant pis. Là, il me reste quoi? Cette cartouche de pompe. 3 de pistolet. Coucou. Oh merde. Merde, comment j'ai loupé ma cartouche quoi. Le problème c'est que maintenant que je sais qu'il y a des monstres dans l'eau et que j'ai une peur bleue sans mauvais jeu de mots vaseux de tout ce qui est dans l'eau. Mais ça me ramène là-bas. Oh. Attends, on va faire le tour là-bas. Non. Ah, complètement loupé.
Ah, donc j'ai une peur bleue de tout ce qui est monstre dans l'eau, et maintenant que je sais qu'il y en a, je vais m'en méfier comme la peste. On dirait limite un niveau d'alien, quoi. Une clé étiquetée. Merde. Ok, cavalier. J'imagine. On va retourner dans la flotte. Hein. Je m'attendais à être. Oh. Oh. Petite zone back là. Je m'attendais à être plus frustré par un jeu avec des énigmes, parce que j'aime bien, mais. Dans un jeu comme Resident Evil, faut que ce soit bien dosé, parce que sinon je vais être très vite frustré au niveau des munitions, etc. Oh là. Non, ça allait dans l'eau. Ça allait dans l'eau. Ah bon sang. C'est de pire en pire. Ça allait dans l'eau. Ah non, j'ai que 4 balles. J'ai une grenade encore. Super vite comparé au premier. Oh non, me dis pas que c'est devenu un monstre commun. Si, c'est devenu un monstre commun. Okay. J'ai pas les munitions pour le feu. Des bestioles. Pitié, laisse-moi passer. Absolument pas les munitions pour quoi que ce soit. J'ai mon couteau, c'est tout. Je suis en ok, ça va, c'est gentil. Et les plantes rouges. Attends, je vais faire une combinaison parce que. Je serais pas empoisonné par hasard? Non, il y a un message quand t'es empoisonné. Que je vois bien ces saloperies empoisonnées. Oh merde, j'ai pas la clé. Parce que là ils sont étrangement généreux sur les plantes, c'est pour ça que je me suis posé la question. Une sorte de lance-flamme, non? La sulfateuse.
que là, ça fait genre 3 bleus qu'on me donne, c'est pour ça que je me pose la question. Petit jumpscare. Au calme. Déjà verte rouge. Hop, bata. Fais chier. C'est le pion roi. Oh non. Il va falloir que je jette quelque chose. On peut pas combiner deux bleus? Non. Rouge plus bleu, mais non, j'élimine les toxiques et réduit les dégâts subis, protège temporairement. Laurent, on pouvait pas le mettre là. J'aimerais un peu avoir l'arme. Hein. C'est un lance-flamme. Alors maintenant, pour enflammer une cible, plus les flammes générées sont grandes. Et j'ai absolument pas la place. Est-ce qu'il va me falloir les deux pions? De la reine. Mais attends, je fais comment pour passer de l'autre côté sans le... Ah bah si. Maintenant que j'ai le pion du roi, je fais juste l'autre côté. Hop. Résout pas mon problème de place d'inventaire malheureusement. Voilà. Et tu sais quoi je vais le consommer. Tant pis, ça me fait chier, mais bon. Ouais. J'ai pas le choix. Quoi. Oh, stylé! Ah putain, va encore falloir que j'aille autre chose. Faut que je récupère le pion. Ouf! Attends. Parce que là, c'est de là où j'ai sauté. Non, non, c'est juste un cul-de-sac. Bon. T'as fait chier le couteau. Ah mais non, mais le couteau, je peux le balancer. Ça me fait chier de balancer le couteau. Mais au moins j'ai une arme. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ah, va falloir que je repasse par les saloperies. Eh mais je peux pas enflammer des bestioles qui sont dans l'eau. Ah, j'imagine. Pas des munitions.
Ah, ça... ça marche, mais ça le tue pas. Hein, faut juste claquer à balle des munitions. Je vais essayer d'esquiver le deuxième. Crève, saloperie. J'aime bien ce jeu, tu sais, on te donne une arme. Putain, mais je crois que t'exploses la quasi-totalité des munitions tout de suite. Là-bas, c'était bloqué. Ouais, bah écoute. On va remonter gentiment. Putain, la brute. Putain, l'enfoiré, quoi. Mais j'étais buté, toi. Qui a été remplacé? J'adore ce jeu. J'adore. Alors maintenant, c'est le gros gag. Est-ce que je dois me trimballer les pièces? Est-ce que le pion est déjà en place? Il fallait juste l'arène pour ouvrir, c'est ça? Et commence le moment de l'énigme. Je vais me débarrasser. De toute façon, j'ai plus de munitions pour quoi que ce soit. Il me reste un peu de poudre. Je peux crafter. Je suis blindé de plantes. Alors, c'était quoi le... Ah, il semble que la tour et le cavalier soient sur le même mur. Cavalier et la tour. Mais j'ai pas la tour. T'as le cavalier et le pion. Le fou. Non, non. Il manque encore un pion. Et oui. Oui. Bon, on va faire des munitions. Tac. Putain, mais... Et en vrai, la clé USB, mais... USB, on peut toujours s'en servir. Mais... Ah, mais il n'y avait pas une sorte de Uzi où j'ai dit ah, faudrait que j'essaye, et j'ai jamais pu y revenir dans le commissariat. Putain, tous les coups ça sert à ça. Tac. 3 cartouches, super. Ouais, et puis on va partir comme ça.
Et ils vont bien filer des munitions pour le lance-flamme. Je viens de le trouver. Je suis en attention. Est-ce que je me soignerai pas avant de partir? J'ai un spray dans la route. En vrai, voilà, j'ai un spray dans la terre. C'est bon, no stress. Putain, il y avait une carte à prendre, sérieux. Je l'ai mais absolument ignoré. Allez, on va retourner là où on était. Et cette fois, on va aller dans la flotte. Non, tu m'as pas vu! Oh le bâtard! Laisse-moi passer! Mais prends ton temps pour ouvrir la porte, Léon! C'est pas comme s'il y avait une bestiole à 2 cm de nous. Oui, des munitions! Je suis parti sans même savoir ce qu'il y avait ici. Ça doit être la continuité. Ouais, trop cool. T'as vu, c'est des buts parce qu'ils l'ont mis. Attends, j'étais pas déjà venu ici? Ça me dit quelque chose. J'avais pas la clé. Sympa. Donc c'était purement du bonus. Ok, cool. J'ai même marre d'être descendu là. Alors moyen. Oui, tu vas dans l'eau et tout, tu te tapes. Je sais plus trop où ça mène par contre. Ah, c'est le danger de faire des pauses. J'imagine que le pion, de toute façon, je dois le récupérer. Sinon, il m'aurait pas... Il m'aurait pas re-ramené devant. En ouvrant un raccourci, en plus. Faire ça. Ok, bah on va prendre l'ascenseur. Je crois que j'étais venu par là.
Arrivée initiale, je parle. Le jeu est quand même assez labyrinthique, hein, malgré les cartes et tout. C'est trop cool. Je vais être trop généreux avec moi là. J'aime pas ça. Eh ben, c'était pas ça pour le clé USB. Si si si. Mais attends, je suis retourné dans le commissariat. Là, mais c'était il y a tellement longtemps. Oh. Ouais, ouais, c'était il y a un petit moment. Attends, salle des techniciens. Pas moyen que j'y retourne un coffre. Simple si je fais ça. Bordel de merde! Mais je voulais juste avoir une arme de plus pour me défendre dans ce jeu. Impitoyable. Alors là, je dis oui. Ah, la clé sert plus à rien. Alors, la clé USB. Parce que c'est sur ça que j'ai un doute, principalement. La clé, hop. On n'a plus besoin, on a ouvert tout ce qu'il fallait, apparemment, avec. Mais ça fait des années que je suis pas venu ici. Ah, tu peux ouvrir. Attends, je vais faire une save, okay, il y a un truc pas cool. Mais oui, mais c'est le passage secret qui est au... dans le hall d'entrée du commissariat. Ouais, ça ouvre le raccourci. Oh, j'ai plus besoin de faire les tours de ouf. Ah oh, ouais. Bon, let's go. Hein. Allons récupérer le Uzi. Ça va être plus navigable. J'aime trop comment ils se dandinent dans les escaliers. Je suis un policier. Dis-moi que ça sert à ça, pitié. Ouais. Quoi? Attends. Ah, ok. C'est pour ça qu'on peut la refermer. Subtil. Non, ça se tasse pas. Ah, mais c'est pas easy, c'est une amélioration. Merde. C'est pour le... C'est pour le Magnum. Oh putain. Bon, c'est pas grave, je suis pas venu pour rien. J'ai enfin trouvé l'utilité... Enfin, le deuxième usage de la clé USB. Et surtout, j'ai des munitions. Je peux me battre! Tout claquer sur le premier monstre que je vois. Ah.
faut que je retourne dans l'eau là, hein. J'ai pas le choix. Putain, mais c'est tellement grand. Vas-y, go. Mais non! Mais je t'ai tiré dessus! Oh mais non! Bon bah allez hein! Putain! Dis-moi que t'es parti la grosse bestiole! Ça a l'air. Ça a l'air. Mais non, c'est vrai, tu glisses ici. Bah, je suis nul de la gauche. Ça, c'est encore rouge, là. Oh. Oh, ça pue, j'ai dû louper un truc. Je sais que ces trucs-là vont que dans l'eau, donc j'essaie d'économiser un maximum de munitions. Et j'ai un souvenir de la clé carrée qu'on pouvait utiliser à plein de petites portes comme ça, j'en ai déjà fait quelques-unes. Sur le côté, mes couilles. Oh, tous les coups, la pellicule que j'ai ramassée, c'est sur ce cadenas. Parce que j'étais déjà venu ici. Ta-ta-ta. Et ok, ça revient là où on a repris la pause. Alors, j'ai le roi, la tour, la reine. J'ai les 6 là, normalement. 1, 2, 3. Ouais. Bon, apparemment, le cavalier est à son emplacement. Le pion aussi. Voilà. Bon, c'est parti pour le moment gênant de l'énigme. Qu'est-ce que je garde là-dedans ? Équiper la crosse du magnum avant que j'oublie que ça reste à pourrir dans mon inventaire. Parce que je me connais bien. Ok. Ah, il semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur. Que le fou et la reine ne sont pas côte à côte, la reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Ouais. Il semble que la tour et le cavalier sont sur le même côté. Donc tour, ça peut être là et là. La reine et la tour sont l'une en face de l'autre. Donc la tour va là, logiquement. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Donc la reine va là. Tour et cavalier, même côté. Et les deux autres, c'est au pif. Le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Donc c'est le roi. C'est trop simple, je me suis planté quelque part. Eh ben non. Ok, j'y suis presque là.
Je m'attendais à tellement plus galérer dessus. Sans toutes les pièces à la con là, mon inventaire il est plus vide dans ce coup. Alors on va se prendre un petit verre bleu là et puis un petit verre rouge. Puis on va reprendre le mag. Parce que j'ai toujours pas rencontré d'ennemis qui empoisonnent, mais je sens que ça va arriver. Que le jeu m'a donné 4 plantes bleues et ça pue. Ça, c'est la hesse. Qu'est-ce que je disais? Et une plante bleue en plus, ça pue. Mais merde, je dois rétablir le courant. Bah voyons. J'ai pas la carte, j'imagine. Salle d'alimentation principale. Bon, ça sent le boss. Hein. Oh non, oh celui-là c'est chiant. Je vais aller checker la porte là-bas avant de commencer à faire la mini-énigme. Oh non, non, ça pue. Ouais, c'est fermé. Ça pue, le jeu qui te donne trois plantes de une de chaque couleur. Ouais, de toute façon, j'ai déjà des mélanges. Hop. Je suis très nerveux sur les salles. Hein. Faut pas m'en vouloir. Hein. Allez, c'est parti. Allons faire le mini-jeu des niveaux de courant. Putain, je suis chaud. Hein. Il va falloir que je joue plus souvent le samedi. Hein. Oh la vache! Je dois faire quoi? Mais je dois faire quoi? Et je prends des coups gratos, je peux rien faire. Je peux rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Oh non, il y a du feu, t'es sérieux? Il y a le feu qui s'est propagé derrière. Je dois le tuer? Je dois le tuer ou je dois juste fuir? On va fuir. Il a l'air belliqueux. Aïe. Cette fois, je te tiens.
Oh non. Ah, je l'ai assommé trop tôt. Je l'ai assommé trop tôt. Oh, j'ai vu un bouton, j'ai appuyé. Faut le faire une deuxième fois, t'es sérieux. Non, pas si vite. Tu vas voir. Je fais n'importe quoi. Viens, connard. Vite. Viens. Putain, j'ai fait tout ce qu'il fallait pile, tu vois, et putain, c'est en connaissant la tactique que je la fais mal, quoi, j'adore. Ok, donc, faut l'assommer. Et ensuite, faut appuyer. Il faut essayer de bien viser au passage. J'ai niqué deux cartouches dans le vent là. Et s'il te plaît, t'enlève pas, t'enlève pas, t'enlève pas. Ah, défonce la musique. Encore en rouge. Là, je suis en rouge. Ouais, ça passe. J'espère. Trop cool la musique du fight. Hein. J'espère que c'est fini cette fois. Et voilà, et ben il m'a raquetté toutes mes munitions. Il me reste 3 balles. Puis du 9 mm. Ah, il y avait une flash. Ah, un couteau aussi. J'aime bien le jeu, il te donne un couteau. Et tu viens d'exploser. Hein. 30 minutes de munitions, on te donne un super couteau. Sérieux, j'ai loupé des balles, je suis un connard. Je suis un connard. Apparemment, il y a une plante et des balles aussi. Oh là là. Bloc de Magnum. Oh, mais c'est quoi ce paquet de munitions paumé dans l'eau là? Merci aux développeurs qui ont décidé de mettre les symboles de munitions sur la mini-carte.
Pourtant, j'ai fait un petit tour, hein. J'ai trouvé la flèche et tout. C'est ça, c'est le genre de munition, tu... C'est une salle de boss en plus, tiens, rien. Jamais, quoi. On va reprendre du vie, hein. On va reprendre du vie, hein. Hop, petite save. Alors par contre le truc drôle, je sais pas où aller. Le trou en bas là, trou pour monter. Comment ça se fait que ce soit rouge de ce côté là? Je peux pas revenir en arrière. Hein. Non. Alors, attends, j'ai une pellicule à développer. Je peux revenir dans le commissariat. Mais à quoi bon maintenant? Parce que mon objectif, c'est sauver Ada, mais genre. La forme du funiculaire. Comment c'est grand de ouf. Je vais essayer de revenir au commissariat avec ma superbe mémoire. Pas de jugement. Ascenseur. On va retrouver le zombac que j'ai explosé qui m'avait mordu. Voilà. Normalement, il y a un pote dans le couloir. Bien. Non, c'est une grenade, ça, Lyon. Ouais, j'y suis pas allé, il y avait une copine. J'y suis pas allé depuis très longtemps. Ah, ça me ramène à une zone rouge. Super, 10 balles. C'est ce que j'ai explosé pour venir ici. Eh, c'est bleu, c'était ça. C'est un cul-de-sac sur la gauche. Ou pas. Si, si, c'était un récuté. Une vieille ligne qui est tracée à l'arrache sur le plan. Bah ouais, là, à part revenir au commissariat... Non, ouais, faut revenir au commissariat. Beaucoup de backtracking.
Mais je pense que c'est le chemin logique. On peut ouvrir les raccourcis, on me donne des pellicules et tout. J'ai un outil en plus pour ouvrir les portes. Donc avec un peu de chance, c'est la suite logique. Les escaliers. On remonte par le passage secret. On va faire une save au cas où il y a un truc qui m'attend. Parce que ça fait très longtemps que je suis pas allé au commissariat. Bon. Déjà là-bas il y a du rouge. On va y aller faire un petit tour. T'es qui? Oh merde! C'était la blague! Oh bon. J'avais peut-être déjà abîmé il y a super longtemps. Mais il n'y avait pas des liqueurs ici? J'avais bien un liqueur. Oh! Mes couteaux que j'avais pété à l'arrache. Trop cool. Les couteaux, tu les retrouves des heures plus tard. Ouais. Le rouge. Ah, j'ai perdu des munitions techniquement. Tac. Et donc c'est là. Ok, bon bah ça, j'ai pas perdu mon temps. Grâce à ces 7 petites babales là. Toujours pas la clé cœur. Donc là, le must. Il faudrait que je fasse la pellicule. Alors, peut-être la salle de conférence, chaufferie. Salle de pause. Chambre noire. Oh merde, j'y étais. Je vais faire la pellicule. Logiquement, c'est le code du cadenas dans les égouts. Logiquement. C'était à droite.
planque. Oh mais non. Alors, un bureau avec du café renversé avec des stylos et une chaîne Wi-Fi. C'est noté sur la carte ou pas? Ça a pas l'air. J'ai toujours pas fait le cadenas de la douche, sérieux. C'est au-dessus les douches. Les I3F, DCM. Attends. Bon. On n'est pas au 3F, on est au 2F. Pas ce code. Mais les douches doivent être rouges parce que j'ai pas ouvert le cadenas, j'imagine. Alors attention, c'est le moment où on tourne en rond. C'est toujours rouge apparemment. Oh, c'était ça? Abusé. Oh, comment c'est planqué de ouf des fois. Mais la clé cœur, mais comment on l'a? Comment on l'a? Ah, c'est ce qui me bloque, la clé cœur. Ouais, ah, c'est la clé cœur. J'ai dû zapper. Putain, t'es en train de me dire qu'il faut retourner au. À l'égout. Donc, oui, il fallait bien. Putain de merde. C'est bien dans les égouts. Alors, le compartiment à déchets que j'ai ouvert. Enfin. J'aurais dû l'ouvrir. J'ai remis le jus, j'ai fait le boss, je suis parti. Je l'ai jamais remis. Je suis un connard. Juste devant. Ah oh, putain. Oh, la perte de temps que j'ai fait, mais. Je me suis auto-infligé une bonne vingtaine de minutes dans la gueule. Là, je l'ai pas fait ça. Ah, faut ouvrir. Et ta main. Allez. Ada. Ada, où es-tu? Par ici! Mais oui, c'est vrai, il était coincé à Star Wars. Ada! Je commençais à m'inquiéter. Et elle a le bracelet. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le, je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Ah. Ouais, alors, leçon de secourisme, jamais enlever ce genre d'objet. Ça va, je peux le faire. Et détends-toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu es peur encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest?
Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. On a du pain sur la planche. Oui, chef. Mais la clé cœur. Où est la clé cœur? Oh non, c'est une mission de escorte. Le funiculaire nous amènera au Nest. Ce bracelet est notre ticket. Bien. Tu l'as trouvé où? Un emprunt. Mais peu importe, on y est passé. Et tu te grouilles là? Parce que j'ai déjà fait perdre du temps. Laisse-moi te porter. Non, je me sentirai encore plus mal. Ok, plus de cartouches. Je sens l'air. Ça pourrait être un aller simple. J'espère que t'es prêt, Léon. Oh non. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Est-ce que c'est les trains de la mine de Resident Evil 4? Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seul. Le G-virus. Hey, Léon, tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale. Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Oh. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Clicheton. Je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Oh yes. C'est pas une défense de chariot. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Et voilà, c'est moi qui vais tout faire. Ok. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Contient une puce de niveau 1. Oh les salauds, ils vont me faire une Doom avec le système de clés. Ouais, non, mais ça me convient comme inventaire. Dis-moi que c'est plus les égouts. C'est... Oui, oui, c'est un labo. Voilà, on change de thème. Parfait.
sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Ok. Je me demande où est le virus G. Je pense que c'est un très bon endroit pour faire une pause goûter. Allez, on se dit à la prochaine.